Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui on va se faire un peu de révision au niveau du sampling dans Reason. Donc là ce que j'ai fait pour notre petit exercice, j'ai tout simplement enregistré ma voix avec mon micro sur une piste audio, toute simple. Donc on s'écoute ça. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Test 1, 2, 3, 4. Test DJ furtif. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais dégrossir un petit peu. Donc, je vais prendre le rasoir et je vais découper les parties de sample que je veux garder ou non. Ensuite, je vais dans utilitaire et je vais créer différentes pistes audio. Par exemple, c'est vraiment pour l'exercice, hein. Je détaille vraiment pour que vous puissiez comprendre. Je vais prendre mon premier bout de sample que je vais mettre sur une piste. Donc si je mets mon mixeur, bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Test 1, 2, 3, 4. Test DJ furtif. Voilà. Donc après, excusez-moi, vu que c'est pour faire de l'édition, on va se les mettre en solo et on va commencer à éditer tout ça. Donc là, on a la première piste. Test DJ furtif. Ben, je vais même rajouter une piste audio. Et je vais recouper ça. Voilà. Donc là, j'ai augmenté la quantisation pour pouvoir être plus précis dans ma découpe. Puisqu'au départ, on était en mesure. Donc on va le laisser comme ça. Je vais agrandir tout ça. Donc j'ai créé une piste de plus. Maintenant, comme vous voyez, on a du vide ici, donc on va faire un peu d'édition. Je reprends ma lame de rasoir. Et j'enlève tout ce qui n'est pas utile. Ensuite, on se réécoute le sample. Test. DJ. Ça, je le vire. Ça, je le garde. On dirait que j'en ai trop coupé. Bon, bref. Test. DJ. C'est pas grave. On va garder juste le DJ. Comme ça, au moins, ça fera un exemple universel entre guillemets. Donc voilà. Ben, on va se prendre le test. Je vais rajouter une piste audio encore. Attends, ça en fait de la piste. Hop là. Donc là, c'est vraiment pardon, de l'édition de sample. Donc là, comme vous pouvez voir ici, on a dès qu'on a le fichier audio, on a directement des slices qui sont mis. Si on prend le petit l'outil haut-parleur, donc ça a mis des slices un peu partout.
Donc ça, on peut y remédier. Je vais prendre l'outil sélection. Je sélectionne les slices, donc ils sont devenus noirs. Je fais supprime sur mon clavier, ce qui fait que maintenant, il n'y a même plus de slice. Si je reprends ma petite test, voilà. Test. Donc, admettons que rien que ce petit bout-là, si je veux le laisser tel quel et pouvoir le mettre dans un Rex, il va suffire de cliquer droit en étant sur le sample et ici vous avez Bounce. Donc vous faites Bounce le clip sur une boucle Rex et voilà, ça vous a créé, puisque là c'est Piste Audio 7, donc ça a créé un fichier Rex Piste Audio 7. Ce qui fait que si maintenant ici je prends ma boucle et que je la mets directement sur l'éditeur, ça m'a mis en place un docteur Octorex. Donc on est parti d'une wave et on a fait un Rex. Et si j'appuie sur ma première touche, test, voilà. Donc on a créé un Rex. Maintenant, là, vu que le mot était court, on n'avait qu'un seul slice en fait, puisqu'il n'y en avait qu'un. Donc on va s'en créer un. On va prendre par exemple cette piste-là. On se l'écoute. DJ 1. 2. DJ 1. 2. 3. 4. Ouais, j'avais mal coupé. Mais bon, bref. Donc, on va éditer tout ça. Donc, je reprends, je vais la mettre en haut, la piste. Voilà. Donc, je reprends mon rasoir. Je vais couper ça ici. Ça, je l'efface. Je place mon sample correctement. 4. Donc, maintenant, je double-clique. Comme vous voyez, ça m'a créé des slices en automatique. Je sélectionne le tout. Enfin, à part si ça vous convient. Donc, on pourrait écouter. 1. 1. Ici, il y en a un vide. 2. Là, il y en a un vide. 3. 4. Ok, donc en réfléchissant un minimum, on peut se dire que celui-là on l'enlève, celui-là on l'enlève, celui-ci on l'enlève et celui-là on l'enlève. Maintenant je reprends l'outil haut-parleur. 1, 2, 3, 4. Ok, maintenant je clique droit sur mon sample, je fais Bounce, je vais dans Bounce, Bounce clip sur boucle Rex, et voilà, vu que c'était la piste Audio 4, ça a créé un fichier Rex Audio 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si je le prends et que je le mets directement 1, 2, dans le rack, 3, en étant sur ma piste en question, un, deux, trois, et si on regarde dans la fenêtre d'édition ici directement de l'Octorex, je vais mettre select by slice midi. Donc en fait, ça va nous montrer ici dans l'écran la partie du sample que j'utilise. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4,
3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4. Et voilà. Donc, à partir d'une boucle audio, j'ai fait un fichier X. Donc, maintenant, admettons, vous allez dans la Bank Factory. On va prendre les Derex instruments, par exemple. Là, vous avez des samples. Voilà, c'est un sample de guitare. Bon. Vu que c'est un fichier REX, au niveau du sample de guitare, les REX sont effectués automatiquement. Je vais mettre Select by MIDI. Voilà. Donc, admettons que ces slices ne vous plaisent pas. C'est tout simple. Ce que vous allez faire, vous ouvrez votre piste mix. Ici, vous avez Rec Source. Vous la cochez. Ensuite, vous allez créer une piste audio. Donc ça, je vais réduire tout ça. Là, ça, je mute, on n'en a plus besoin. Tout ça je le mute. Là, ce que je fais, je vais prendre une piste, donc je vais dans utilitaire, je crée piste audio, je vais la mettre entrée stéréo, et c'est même pas l'entrée, enfin vu que c'est une voix stéréo, et je lui dis d'aller sur mon Octorex. Donc ce qui fait que dès que je vais mettre play, ici, ça va bouger au niveau du vu-mètre. Donc là, la boucle devrait être à 93. Je vais redescendre un peu. Voilà. Donc on s'écoute ça. Donc comme vous voyez, dès que je mets sur play, ici, ça va enregistrer. Donc maintenant, on va faire l'enregistrement. Une fois que vous avez sélectionné la source, donc in, vous mettez bien le module Octorex, vous lancez l'enregistrement. Et voilà. Donc, le sample a été enregistré. Si on se le réécoute, je vais muter cette piste. Voilà. Alors, admettons. Je vais réduire le sample. Je reviens en mode édition slice. On a notre boucle. Je me mets sur ma flèche et je vais supprimer tout ça. Donc, ce qui fait que là, si je me mets en écoute, il n'y a qu'un slice. Donc, ce que je vais faire,
je prends le crayon et par exemple, je viens mettre un slice ici, un slice là. T'écoute ce que ça donne. Voilà, par exemple, admettons. Je clique droit, Bouncer, clip sur une boucle Rex, et voilà, ça m'a créé mon fichier audio 8. Si je le mets directement là-dedans, qu'est-ce que ça va me donner? On se retrouve bien avec nos trois slices. Alors après, pour l'utiliser façon MPC, comme j'ai déjà dit, ici, vous vous mettez en polyphonie 1 pour qu'on ne puisse jouer qu'un seul sample en même temps. Et ensuite, vous augmentez le release pour avoir un toucher comme un déclenchement de sample à la façon d'une MPC. Se faire vite fait un petit délire pour terminer. Admettons, je vais réduire tout ça. Je vais retourner dans mon séquenceur. Je supprime les pistes audio que j'ai créées là tout à l'heure. Et vous allez voir, on va se faire je vais 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Test. Test, test, test. Test. Voilà. On se met une petite batterie, hein, vite fait, utilitaire, enfin instrument, un Octorex. On charge un kit. Donc après, ce qui marche pour les voix, ce qui marche pour la façon de sampler un Octorex, vous pouvez très bien le faire aussi. Pour sampler directement la Red Room ou n'importe quel instrument de Reason. Donc là, on va se faire un petit beat vite fait. Inst. On va muter tout ça. Ce que j'ai fait de voilà. Test.
chronomètre, clic et quantisation à l'enregistrement. On a notre boucle, désolé. Maintenant, si je me mets sur ce rex-là, j'enlève l'automation. Test, 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 test. Test, 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 test. Test, test. Admettons dans le délire. Ensuite, sur celui-ci, j'ai quoi? 1, 1, 2, 3, 1. Pareil, on enlève l'automation. 3. Test, 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 test. 1, 1, 1, 2, 3. Test. Allez, on relance ça. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, 3, 2, 1. Test, 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 test. Test. 4, 4, test, test. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, 3, 2, 1. Donc admettons. Test, 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 test. Là j'enlève ça, donc j'ai bien mes 3 slices. 4, test. 1, 4, 1, test, test. 3, 3, 2, 1. Admettons. Hein. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, 3, 2, 1. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. Test, test, 3, 3, 2, 1. Donc, voilà, voilà, voilà. Après, si je reprends par exemple, donc c'est cet octorex-là, je vais découper ça. Je le duplique. Maintenant, 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, 3, 2, 1, test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. Donc après, là-dessus, 4, 4, test, rien n'empêche 3. De jouer sur les filtres, sur les synchros,
1 par exemple. 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, 3, 2, 1. Test, test, test. Donc là, ça joue 1, sur les panoramiques. 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, 3, 2, 1. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, test, test. 3, 3, 2, 1. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. Test, 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 test. Test. 4, test, test. Test, 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 test. 1, 2, 3, 3, 4, test. 4, 4, test, test. 3, donc après, 3, vous pouvez, test, vous test, pouvez jouer test, sur test, les pitchs, sur 1, tout ce que vous voulez à partir 3, 3, de l'interface 4, de l'Octorex. 4, 4, test, test. Ensuite, pareil, en ce qui concerne les options, vous avez ici, quand vous cliquez sur Slice Edit Mode, vous pouvez appliquer des changements de fréquence, des affectations au niveau des sorties, puisque vous avez aussi des sorties séparées. Il y en a une paire, deux paires, trois paires, quatre paires stéréo. Donc vous pouvez affecter directement vos samples à des sorties séparées ici et jouer sur les filtres, l'inversion, les niveaux, les panels, toutes ces petites choses-là. Même sur le pitch, par la petite molette ici. Donc admettons. Donc ça remet en lecture. Test, 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 test. 4, test. 4, 4, test, test. Test, 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 test. 4, test. 4, 4, test, test. Test, 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 test. 4, test. 4, 4, test. Test, test, test. 4. Test. 4, 4. Test, 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 test. 4. Test. 4, 4. Test, test. Test, 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 test. Et voilà, par exemple, le genre de modification que vous quatre, pouvez faire hein, quatre, quatre, en allant test, dans test, tout ce qui est édition. Donc test, voilà pour ce petit tutoriel, il était un petit peu long mais il y avait pas mal d'explications à donner sur le sampling au niveau de l'Octorex dans Reason. Merci. Pensez à télécharger vos refils, ils sont en lien sous la vidéo sur les pages YouTube et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à bientôt.